Et nous revoilà à Lamentations of the Flame Princess. Et nous allons commencer avec notre cher Baldo, qui s'était perdu. Caché, qu'on dit. Qui s'était caché. Hop. Alors là, normalement, on ne voit pas grand-chose. Est-ce que tu vois quelque chose, mon cher Clyde? Eh ben non. Oui, ah moi, oui, je vois. Ah bon, c'est bon, j'ai dézoomé. Oui. Voilà, ok. Il se trouve que vous ne voyez pas Baldo. Non. Mais non, il est caché. Il est caché. Et donc tout ceci va se passer dans l'ombre. Mon cher Baldo, après l'apparition des spectres dans l'église en ruine, tu as fui celle-ci en même temps que Gwendoline. Dans le village, tu as vu quelques villageois au comportement étrange. Prudent, tu les as observés et tu as réalisé qu'ils étaient en chasse et que lorsqu'ils se rencontraient, ils s'agressaient mutuellement. Tu vas me lancer 2d6 plus ton bonus de discrétion. En gros, sur ton test de discrétion, combien tu as sur 6 normalement quand tu réussis? Discrétion 5. Tu as 5 sur 6, donc tu lances 2d6 plus 5. Ouh! Ce ne sera pas bien long. Ouais, normalement, tu ne devrais pas faire un 6 moins. Waouh, 15. Donc, tu retiens 2 et tu vas me dépenser 1 pour découvrir un secret sur un habitant du village ou dépenser 1 pour découvrir une information importante sur ce qui est en train de se passer ou dépenser 1 pour ne pas te faire agresser par l'un des villageois fous. Alors, personnellement, les autres ont a priori toutes les informations importantes sur ce qui est en train de se passer. Ok. Donc, ce serait dommage d'épuiser un truc là-dessus. Et donc, je retiens 2, fait que je peux choisir 1. Ben, c'est sûr, je suis pas mal sûr que je choisirais de ne pas me faire agresser. C'est marrant, Gwendoline a fait le même choix que toi. Ah. Non, mais les grands esprits se rencontrent, là. Et je te suggère que je ne me suis pas fait agresser parce que je me suis terré sous une maison et j'ai creusé un terrier. C'est très bien, c'est très bien. Et donc, tu as pu découvrir un secret sur un habitant du village. Mm-hmm. En regardant sous les planches de son plancher, probablement, entre les trous. Exactement. Alors... Normalement, toi, tu vois ton personnage. Hein? Oui. C'est parfait. Alors, si je lance ma feuille de personnage. Disons que je vais te positionner ici. Alors ici, pour tout le monde, c'est caché là. Quelque part par là. Il y a une maison abandonnée. Et c'est donc par là que tu es allé te cacher, tu as gratté le sol, et à un moment, à gratter, tu as ouvert, tu as quasiment creusé un boyau qui, à un moment, a mené vers quelque chose dans le sous-sol, une espèce de cave de cette maison abandonnée. Et là, l'intérieur de cette maison abandonnée, dans cette cave, se trouvait Nima, la forgeron, oui, allongée en train de dormir devant une espèce d'autel, un petit autel avec des bougies allumées. Avec une petite statuette représentant, une statuette assez abîmée, mais qui semble représenter un humanoïde ailé, les ailes qui sont un peu repliées dans le dos. Peut-être un humanoïde féminin, mais c'est pas évident. Et celle-ci, Nima, est donc... inconsciente devant ce petit hôtel, et toi, en fait, t'as fait un petit trou, tu vois, et tu as vu la lumière, donc
qu'as-tu fait à ce moment-là? J'ai observé. C'est en de me faire le plus petit possible. Elle est évanouie devant cet hôtel? Ouais, complètement endormie. D'ailleurs, tu entends toujours la cloche qui sonne à l'extérieur. Mm-hmm. Cloche de l'église. Oh. Et elle est toujours effectivement endormie. Ben, j'attendrai un petit peu. Si elle est toujours endormie. À un moment donné, je vais creuser un trou assez gros pour me faufiler. Oui. Puis je vais m'approcher tout doucement avec une arme à la main pour essayer de... Je me dis des fois peut-être que c'est une tactique bien connue des souriciers de faire le mort pour attaquer son adversaire prendre son adversaire en défaut. Fait que avec mon épée devant moi, je m'approche tout doucement. J'essaie d'observer de quoi elle a l'air, si elle a de la souillure ou quelque chose comme ça. En fait, si sa souillure est plus grande que comme tout le monde en a. Tout à fait. Elle ne semble pas avoir plus de souillure que les autres. Des petites taches à droite et à gauche. Et tu ne remarques rien de vraiment inquiétant sur elle. Que fais-tu d'autre? Est-ce qu'elle a quelque chose qui pourrait avoir de la valeur autour de l'hôtel ou sur elle? Alors, au niveau de l'hôtel, oui, il semble y avoir quelques petits objets de valeur, manifestement, qui pourraient être des offrandes à cette petite idole posée sur l'hôtel entre deux bougies qui se consument. Soudainement, mon sac va s'ouvrir. Ces petits objets-là vont disparaître. Très bien. Écoute. Ça ne sert à personne, Ador. Exactement. C'est ça, il n'y a personne. Il n'y a personne pour les ramasser. Exactement. Je vais les prendre. Eh bien, on va dire que tu vas trouver. Je vais jeter le dé. 13 pièces d'argent. Et un joyau qu'il faudra. Un rubis qu'il faudra évaluer. Pour connaître son prix. Cool. Un rubis? Un rubis, oui. Parfait. Je prends note. Puis je vais m'éclipser en douce tant que la forgeronne dort encore dans mon trou. Je vais essayer de le remplir puis de me recacher. D'accord. Alors, si elle est... Si elle est attentive, elle se rendra compte que... Oui, qu'il y a eu un trou, qu'il y a eu quelque chose. Hein. Mm-hmm. Très bien. Et te recacher. Mm-hmm. Ce que je te propose, c'est que le lendemain, parce qu'ils ont fait, ils ont joué toute une journée, mm-hmm. et plus une partie de la nuit, c'est que tu restes caché pendant la journée. Mais ça fait très très longtemps qu'on n'a pas dormi. Moi, je suis dans un terrier chaud. Je vais en profiter pour dormir. Très bien. Longtemps. Une sorte de petite hibernation. Ouais. Et donc, le lendemain soir, tu es réveillé par la cloche. Tu entends, alors en fait, qu'est-ce qui se passe dans le village pendant qu'il y a la cloche? C'est que manifestement, il y a des villageois qui sont devenus complètement bestiaux et qui se jettent les uns sur les autres. Mmh. Et à un moment, il te semble entendre tes compagnons progresser à travers les rues du village en venant de l'église et en se dirigeant vers la place principale. Et c'est à ce moment-là que Baldo, ses petites oreilles, tu sais, qui dardent un peu partout, fait oh, « Gwendoline! Oh non! Non, elle m'a pas suivi, c'est vrai! Oh!
Merde, faut que je les rattrape. Et je vais sortir de ma cachette. Très bien. En étant attentif. En sortant de ta cachette, tu te retrouves dans l'une des rues principales, celle qui, en fait, part de l'église, fait une boucle, passe à côté du magasin de Viviane, puis après rejoint la place du village. Tu vois un cadavre avec un cadavre de villageois avec une flèche plantée dans l'œil. Tu continues à avancer, tu vois un autre cadavre qui s'est pris manifestement un coup d'épée. Un autre cadavre avec une flèche plantée. Et finalement, tu vois au loin tes compagnons qui rentrent chez Ingfried. Si c'est possible de le faire, je pense que Baldo voit tout ça en sautant sur un baril, sautant, grimpant sur le bord d'un mur ou sur un toit, en passant entre une ruelle, entre deux autres barils, en se faufilant comme ça, parcours style. C'est parfait. Finalement, tu arrives au niveau de la maison de Ingfried, alors que tes compagnons viennent de rentrer dedans avec... Ils sont accompagnés d'une femme très âgée qui porte une tenue de pilier de l'unique. OK. Est-ce qu'il y a des fenêtres sur ce bâtiment-là? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux apporter un petit baril ou quelque chose comme ça pour vous grimper puis juste regarder, observer par la fenêtre de façon un peu furtive? Mais bien sûr. Et à l'intérieur, tu vois Gwendoline Clyde. Mm-hmm. Tu vois qu'ils ont posé la vieille femme sur un qui est manifestement inconsciente sur l'un des lits. De chez Ingfried, et il y a deux autres explorateurs que tu connaissais, Elana Whitestorm, qui est une sorcière muette. Et oui, elle est jolie, Elana, ou je l'ai toujours trouvée très jolie. Et enfin, nous avons Xavier Icar Clorkston, qui est à l'instar de Clyde un chasseur de monstres. Donc, eux aussi, manifestement, ont survécu à l'attaque de votre convoi et ont réussi à rejoindre le village et à retrouver tes compagnons. Je vais observer, puis je vais... Ce que Baldo regarde avec son bon œil, c'est à voir s'ils ont les comportements des autres créatures. Pas du tout. Au contraire, ils sont en train d'essayer de s'occuper de la vieillarde et tout en regardant à l'extérieur voir s'il y a des villageois fous qui tentent de venir là où ils sont. Je vais cogner tout doucement dans la fenêtre, je vais gratter comme ça. Les autres, je vous laisse intervenir. Moi, je vais sortir mon épée, en fait, puis je vais la pointer. Ben, t'es déjà sorti, mais je vais la pointer vers la fenêtre. Qui va là? C'est Baldo! C'est Baldo! 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 Ouvre la fenêtre, c'est Baldo! Ah, je te mets la main sur la bouche, toi, Gwendoline, mais comme... Chut! Mais ouvre la fenêtre, c'est Baldo! Oui, mais pas obligé de le crier à tout le village! OK, mais le village, il dort, anyway. Ils n'entendent pas ce que je dis. Je te pogne par le collet en arrière. Je t'amène vraiment, je te soulève. Je t'amène vers la fenêtre d'en avant pour te montrer l'agglomération de gens qui ont l'air à... bestiaux, là, qui ont l'air à naviguer dans le village. Et ça, d'après toi? Mais oui, mais il n'y a rien qui nous dit qu'ils nous entendent. Ouais, ben, crie plus fort, puis ils vont nous entendre, oui. Bon. Elana vient t'ouvrir. Mais tu veux que je crie ou pas? Elana vient t'ouvrir, Baldo. Allô, Elana? Allô? Et Baldo se glisse, dans le fond, par la fenêtre et il tombe dans les bras de Elana, dans le fond. Il se glisse par terre en descendant. Ça fait, je suis content de te revoir. Je suis content de tous vous revoir.
Balto! Je crierais de joie parce que je suis contente de te voir, mais j'ai pas le droit de crier parce que Claire est fâchée. Mais Gwendolyn, pourquoi tu m'as pas suivi dans mon trou? Mais je t'ai suivi dans ton trou, mais je t'ai comme perdu de vue parce que t'es allé un peu trop vite. Mais c'est pas grave, là, on s'est retrouvés, c'est ça qui est important. Ah, je l'oublie tout le temps. T'es pas une souricière, toi aussi. Ah, t'es tellement pareil comme nous. Je sais que je suis petite et que je me cache, mais je vais pas assez vite. Ah. Mais, maintenant, je suis content. On va survivre. Mais c'est qui? Elle? Et là, je pointe vers la vieille dame. C'est Gerild. Elle s'est fait toucher par un spectre puis est devenue vieille. Elle est encore plus désagréable qu'elle était avant. Ça n'a pas d'allure. Je pensais pas que c'était possible, mais ça a l'air que ça fait ça. Ah là 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 là! Ah ouais, c'est une chance qu'elle dort parce que, ouf! Écoute, quand elle se met à parler, là, déjà qu'elle n'était pas sympathique avant, là, c'est vraiment pénible. Est-ce que on connaît un remède? Ben moi, non, mais moi, je fais pas de la magie. Et je me retourne vers Elena, comme ça, avec un petit regard, un regard triste et tristounet et avec de la question dans les yeux. Elle te caresse la tête. Je me laisse aller dans la caresse. Ah, Elena, es-tu capable de rajeunir... T'es-tu capable de rajeunir le guéril, toi? Oui. Non. Peut-être. Ah non, tu peux pas. Oh, merde. Ça a l'air que la magie, ça marche pas non plus. Et je remarque que maintenant, on a deux hommes forts. Bonjour, Xavier. Tout. Là, Xavier est en train littéralement de vivre, voyons, de fouiller la maison pour des trucs intéressants. Ah oui, je vais venir t'aider, c'est une bonne idée. On devrait prendre les choses de besoin. Je suis sûr que la personne qui vit ici, elle n'en a pas vraiment de besoin. Hein. La personne qui vit ici adore. Ben, justement. Que je commence à fouiller pour tout. Mais adore, elle va se réveiller, elle n'est pas morte. Non, mais Adore n'a pas besoin de ces choses. Nous, on en a besoin. Mais on n'en a pas besoin là. On a juste à barricader les portes. De toute façon... Alors, on va barricader les portes. De toute façon, tout ce qu'elle a, c'est des herbes de médecine. Et puis, à ce que je sache, mon bon Baldo, tu n'es pas un médecin. Non, mais des herbes, peut-être que ça va guérir la vieille bonne femme. Ben, attends, peut-être. Et Lana, est-ce que les herbes, ça peut aider à guérir la bonne... à Gerild? C'est guéril quand même, faut pas l'appeler la vieille bonne femme, là. Des points qu'elle t'entende, puis qu'elle soit encore plus désagréable, puis qu'elle fasse encore plus de commentaires négatifs tantôt. Ok. Reste polie. C'est quand même notre amie, même si c'est mon amie la plus chialeuse, mais c'est quand même mon amie. Ok. Oh, t'es malade, Elena? Oh, écoute, assis-toi, prends des herbes. C'est-tu ces herbes-là pour la toux? Faudrait demander à Ingrid. Non, c'est ces herbes-là. Ah, je connais pas les herbes, moi. Hey, Clyde, Ingrid, c'est pas ta blonde, ça? C'est-tu elle? C'est pas... Disons que c'est... Peut-être, éventuellement... Projet... Bon. Ça t'est pas passé pendant que je t'ai caché? Non, tu ne t'es pas caché assez longtemps. Ah, mais là, t'es beau en plus, tu devrais. Bah, merci beaucoup, Baldo. Là, on fait quoi? Mais là, on barricade les portes parce qu'il faut toffer la nuit, parce que les villageois vont devenir normal le matin. Fait qu'il faut juste qu'on survive la nuit. Puis après ça, demain matin, on va arriver avec un plan pour gérer les spectres. Parce que là, dans le fond, la femme spectre, elle s'est faite violer par les villageois puis devant le prêtre qui n'a rien fait dans l'église. Puis c'est pour ça qu'elle revient en spectre à toutes les nuits. Puis c'est pour ça que les villageois, ils dorment. Fait que c'est comme une espèce de revengeance ou de ils refont la scène à chaque nuit. Puis moi, je pense que dans le fond, si on arrive à donner justice à la femme qui est dans spectre, bien, ça va tout régler les problèmes, puis ça va tout faire. Puis comme ça, on va pouvoir régler tout. Puis là, ça va devenir nos amis aussi, les villageois. Fait qu'il faut faire ça. Mais là, on ne peut pas faire ça pendant qu'ils sont en train, dans la nuit, de se promener partout. Parce que là, ils ne comprennent pas quand on leur parle. Ils font juste nous sauter dessus. Puis là, il faut leur tirer des flèches. Mais de toute façon, c'est pas grave si on leur tire des flèches. Puis qu'ils meurent parce qu'ils reviennent à la vie demain matin.
Oui, mais Gwendolyn, ils comprennent pas quand on leur parle le jour. Non, ils comprennent un peu plus le jour. Faut que je fasse attention pour pas parler trop vite, parce que quand je parle trop vite, il y a personne qui me comprend. Mais si je prends assez de temps et je répète assez souvent, ben, ils finissent par comprendre très bien. Il a compris un peu de ce que je lui ai expliqué la journée passée. Il fallait que je répète une couple de fois, là. Bon, c'est évident, mais peut-être que je parle un petit peu vite aussi. Je vais essayer de parler moins vite, là. Je fais attention pour ne pas parler trop vite, mais on dirait que personne ne me comprend quand je parle. Gwendolyn, Elena tapote ton épaule et essaie de te faire comprendre par des gestes qu'elle a un plan pour la fin. Ouais, Elena, t'as un plan. Cool. On va essayer de deviner c'est quoi. C'est quoi? Tu penses... Oh, les charades. On doit les charades, la tuer. J'aime ça, les charades. Oui, tu penses qu'on doit la tuer. Non, oui. Peut-être. Deux mots. Non. OK, oh, je suis d'accord avec toi. Faut pas la tuer parce que dans le fond, c'est une pauvre âme en peine. Alors, tu savais, Lana, que t'avais un grand cœur et que tu comprenais les choses de la vie, toi. Fait que dans le fond, faut qu'on lui fasse justice. Oh, tu vas attendre longtemps. La cloche continue à sonner à l'extérieur. Tu n'osais pas mis de musique. Ah, c'est mauvais signe. Quand la cloche sonne, c'est mauvais signe. Ça veut dire que c'est encore en train de se produire. Quand la cloche va arrêter de se sonner, tu vas voir, tout va se régler et tout va redevenir correct. Mais prends une gorgée d'alcool. De ma gourde. Elle est où, la cloche? Peut-être elle est à l'église. Si... Mais peut-être que si on vole la cloche... On l'empêche de sonner, peut-être. De toute façon, la cloche n'existe pas, Baldo. Ouais, mais on l'entend, elle existe. Oui, et j'ai été dans l'église, j'ai été partout, elle n'est pas là. Cette cloche est aussi spectrale que le spectre qui hante l'église présentement. Et Lana, tu veux que toi et moi, on aille à l'église? Là, tout de suite, maintenant? Ça semble être une mauvaise idée, il y a plein de villageois partout, tu veux vraiment qu'on fasse ça? Puis je sais pas ce que ça veut dire, se croiser les bras. Ça veut-tu dire que t'attends? Non, OK, j'ai pas compris. OK, mais toi, moi, église. Demain matin, tu veux qu'on aille à l'église. Puis les autres doivent rester ici, se croiser les bras. Ça, j'ai-tu compris? C'est-tu ça que tu veux dire? Moi, je trouve que c'est un bon plan. Moi, je suis pas convaincue. Là. Moi, ça me tente pas vraiment d'aller à l'église. Il y a des spectres, puis ils sont dangereux. Oui. Puis les spectres, ça se bat avec la magie. Puis moi, je suis pas capable de faire de la magie. Les villageois, je pow avec mon arc, puis ça marche. Mais les spectres, ça fonctionne pas, ça prend de la magie. Et on vient d'en sortir. J'y retourne certainement pas. Non, mais c'était pas toi, c'était moi, puis Elana. Mais je comprends pas pourquoi elle est juste parce avec moi. C'est parce qu'on est des fans, dans le fond. Gwendolyn, sujet, verbe, puis l'autre mot après, les phrases simples, s'il te plaît. C'est des compléments, mais mes phrases sont simples. C'est juste que je l'ai dit vite. Prends une gorgée de ma gourde. Et Elana sort un de ses parchemins et de l'encre. Oh, c'est une bonne idée. Ça va être plus facile pour essayer de deviner qu'est-ce que tu dis, Elana. De toute façon, Gwendolyn, même si on allait à l'église durant la journée, le spectre ne s'y présente pas le jour. C'est seulement le soir. Oui, mais là, elle nous a pointé là. Fait que je ne sais pas si elle veut qu'on y aille là ou qu'on y aille demain matin, mais ça, je sais qu'ils ne seront pas là demain matin. Je sais, c'est clair. Je suis pas stupide, là, quand même. Pas parce que je suis petite que je sais pas des choses. Je tends un bras vers la gourde de Xavier en disant, genre en faisant un signe, est-ce que je peux en avoir? Ça dépend, t'as quoi en échange? Ben, OK, mais t'es-tu sûr que ça va marcher, Lana, ton plan? Parce que moi, je fais pas de magie. Puis je peux pas tirer sur les specs. Moi, si les specs nous attaquent, là, écoute, moi, je suis jeune, fait que c'est pas grave si je vieillis un peu, mais j'ai pas envie de devenir vieille comme Guérine. Ça me tente vraiment pas. Puis, tu sais, ça, c'est juste s'il arrive de quoi, hausse les bras. Écoute, je suis désolée si je comprends pas ce que tu veux qu'on fasse. Eh ben, sur son parchemin, il y a écrit que demain soir, elle et toi allez à l'église et les autres restent à l'extérieur pour vous protéger sans rentrer. Ah, tu penses qu'ils vont nous protéger s'ils restent à l'extérieur? Ah, j'avais mal compris, je m'excuse. Je lis vite des fois, puis je lis aussi vite que je parle. Fait que des fois, je saute des phrases. Fait que tu penses qu'ils vont pouvoir nous protéger? Mais c'est parce que Clyde non plus, il fait pas de la magie, puis Xavier non plus. Puis Baldo, il va se cacher.
Puis c'est correct parce que c'est ça qu'il devrait faire pour rester vivant. Ouais, ouais. Fait que je suis pas sûr qu'on va être très protégé. Je fais la magie de la cache-cache. Oui, c'est la meilleure magie à faire. Je donne une gorgée à Baldo. Oh! Oh! Ah! Ça rigole. Ah oui, ça pogne en feu aussi. Oui, je comprends, Léna, mais moi, ma crainte, c'est les spectres. Tu comprends, les spectres? Okay. Parce que le soir, les spectres, ils sortent. C'est eux, tu sais, les villageois. Mon arc, il fonctionne contre les villageois, mais mon arc, il fonctionne pas contre le spectre. Qu'est-ce qu'on fait si le spectre nous attaque? C'est un moyen que ça fonctionne contre les spectres. Je connais mon rien arc? Là-dedans. C'est, je suis capable de tuer ce que je suis capable de toucher. Gwendoline va se tasser. Dans la tête. Ok, ben je vais te faire confiance. Elana, t'es mon amie. Fait que je pense pas que tu vas essayer qu'on meure. Je dois avouer que je suis un peu inquiète par ton plan, mais écoute, si tu me dis que tu peux le faire, on va le faire ensemble, ok? Ok. Mais par exemple, ça serait important, par exemple, qu'on sorte Alphonse de la cage demain, parce que ça doit pas être le fun pour lui d'être pris dans la cage comme ça. Fait que ça, je peux le faire demain dans la journée, c'est-tu correct? Ou ça gâche le plan? Si quelqu'un qui a écouté Gwendoline, réponse Daisy. Ben oui, tout le monde m'écoute. C'est juste qu'il se rappelle pas de ce que je dis parce que je parle trop vite. Je dois pas vous lire, Elana. Est-ce que tu veux qu'on saute ensemble dans un puits sans fond? Ça semble être une mauvaise idée. Vraiment une mauvaise idée. Je pense que c'est sa définition de l'humour, en fait. Mais moi, je peux m'en occuper, d'Alphonse. Je suis bon pour... C'est ça. Pour Pour creuser. Mais ça serait mieux que si on le faisait avec l'accord des villageois. Parce que les villageois, tu comprends, il faut qu'ils soient nos alliés parce qu'on veut établir un camp ici. Fait que s'ils nous haïssent puis ils nous chassent, ben là, on sera pas plus avancés. Fait qu'il faut garder des bonnes relations avec les villageois. C'est pour ça que moi, j'essaie de parler avec Trevor. Puis j'ai presque réussi. Puis moi, je pense que demain, il va libérer Alphonse si je continue de lui parler puis expliquer la situation. Mais les villageois, ils font mal aux jeunes dames. Oui, ça c'est vrai, puis c'est vraiment triste. Fait qu'ils sont pas tous des gentils villageois. Mais c'est dans le passé, peut-être que là, ils sont plus gentils. Et attendez un peu là. On sait que les villageois qui ne semblent pas avoir participé au viol de la jeune fille qui est un spectre à la Lilith, ils s'endorment lorsque on entend la cloche. Je le sais, j'en ai trouvé une villageois qui dormait. La forgeronne! Mais ça, c'est triste parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de villageois dehors, là. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui ont participé. Ça m'inquiète un peu. Alors, je me demande comment... en fait, je veux pas savoir comment ils ont fait. Beaucoup... vous savez pas exactement combien, mais pas tant que ça non plus. Non, mais on n'était pas entourés. Donc, si la nuit prochaine, par exemple... Nous nous occupions de rendre justice en chassant les villageois coupables. Je ne sais pas comment faire pour les empêcher de revivre, par contre. Peut-être leur couper la tête ou leur mettre le feu. Clyde. Le feu, c'est bon. Clyde. Non, on pourrait juste les juger aussi. Là, pourquoi toujours cette violence? Clyde. Je pense que Xavier veut parler. La rivière où on creuse une tranchée puis on les brûle. La rivière. Ouais, qu'est-ce qu'elle a, la rivière? On les jette dans la rivière. Oui, non, mais je vous rappelle que on essaie d'avoir quand même des bonnes relations avec les villageois. Moi, je suis pas mal sûre que si on crame la moitié de leurs villageois puis qu'on passe la rivière dessus après, ils vont peut-être pas être contents, puis ça va peut-être nuire au fait d'établir un camp ici. Hein? Mais... c'est quand même ça notre mission principale. Faut comme garder ça en tête aussi, là. Oui, mais okay. Faut aussi garder en tête que si on garde le statu quo et que l'église de l'unique arrive ici et voit qu'il y a un spectre avec une église brûlée,
Tu penses qu'ils faire quoi avec leurs soldats, là? Ben non, je sais, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve une solution au problème. Mais moi, je pense pas que la solution, c'est tout cramer. Je pense pas que ça va... J'ai plutôt dit de cramer les gens qui ont été coupables. Et... Moi, j'ai une idée. On a deux solutions. Alors, on fait les deux. On commence par faire ce que Lana semble écrire. Puis, si ça ne marche pas, ben moi, je propose qu'on fasse un plan B. Clyde, il y a sûrement des choses qui explosent pendant la journée. Là. Moi, je pourrais trouver probablement un baril de poudre, quelque chose qui explose ou quelque chose pour se débarrasser des villageois. Sûrement pour trouver quelque chose comme ça. Là. Non, mais les combats, c'est dangereux, les amis. Là. Je veux pas tout qu'on meure. C'est très dangereux, des combats. On va pas les combattre. On va les brûler. On va les faire. On va leur tendre un piège. On va les bouillir. Ah! Excellente idée. On va mettre le porc à bouillir. Tu veux faire du méchoui? Je ne fais plus. Non, du méchoui, c'est... Ah, en tout cas. Merci, Elana. OK. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Dormir. On est peut-être mieux d'attendre que la cloche elle arrête de sonner puis que les autres villageois ils se rendorment avant de dormir, mais après ça, c'est une bonne idée. Mais d'ici là, on devrait peut-être quand même monter la garde pour s'assurer qu'il n'y a comme personne qui rentre. Puis comme ça, s'il y a quelqu'un qui rentre, on va pouvoir là le combattre puis rester vivant. Mais une fois que la cloche a arrêté de sonner et que les villageois redeviennent des villageois, mais là, après, à ce moment-là, on peut dormir autant qu'on veut. Puis moi, j'aurais peut-être vérifié Alphonse avant de m'endormir, parce que pauvre Alphonse qui est pris dans la cage, moi, j'espère qu'il est encore correct. Elana a fait un câlin et a bouché les oreilles de Gwen tout en lançant un regard assassin aux trois autres. Mais non. On fera pas ça. Si Gwen veut aller voir Alphonse, on va y aller, mais... Est-ce que tu parles en dormant, Gwen? Je sais pas, moi je dors, je m'en suis jamais rendu compte. Ok, je vais prendre le premier tour de garde. Ou Clyde, ou whatever. Non, mais je vais prendre avec toi, je vais rester avec toi, je vais te donner compagnie, t'es mon ami. Dors! Non, mais moi j'ai dormi toute la journée. Je peux prendre le tour de garde. J'étais bien, je m'excuse. Mais pourquoi tu t'excuses de dormir? C'est pas grave, Baldo, t'as le droit de dormir. Mais j'aurais dû vous sauver. Mais j'étais bien dans mon trou. Ok. Ok. Mais je vais prendre le premier tour de garde. Tu veux-tu que je te tienne compagnie, Baldo? Je pourrais te raconter des histoires sur la ferme avec mes frères et sœurs. Si tu parles pendant que les autres dorment, ça marchera pas. Tu voulais pas aller voir Alphonse? Je voudrais aller voir Alphonse, mais je vais attendre que la cloche arrête de sonner et que les villageois ils se retournent avant d'y aller, parce que je vais pas sortir tout seul avec tous les villageois qui sont là. J'ai été bonne pour tirer des flèches, mais c'était peut-être un coup de chance aussi. Là. Je vais prendre le risque de me faire tuer à la part des villageois, ça sera un peu inutile. Puis en plus, Gwen, je suis partie du plan. Gwen, alors que tu es en train de parler, Elana se rapproche de toi t'amène vers essaye de t'amener vers un lit pour que vous installiez pour dormir. Oui, Elana, je vais dormir, mais il faut aller voir Alphonse avant, puis il faut attendre que la cloche sonne, puis après ça, je vais dormir. Si tu attends que la cloche sonne, dors pendant ce temps-là, on te réveillera, mais que la cloche sonne plus. Je m'enroule autour de Gwendoline en plaçant mon oreille pour qu'elle flatte. Je vais te flatter l'oreille. Je la tête, genre un peu découragé et dégoûté. Mais... Je plains presque ce Trevor, finalement. Mais non. Mais pourquoi on s'entend super bien, Trevor puis moi? Oui, c'est bien tant mieux. Alors, j'en suis persuadé aussi. Clyde, était tranquille, là. Non, c'est pas vrai. Bien, alors, vous faites quoi? Christophe? Oui, je suis là. J'ai trouvé des herbes qui se fument. C'est pas une fumeuse, Ingrid. Non, mais je veux dire, tu sais, à plein d'herbes, logiquement, ou quelque chose. Techniquement, du basilic, ça se fume, si tu veux, là.
Donc, oui, si tu veux, tu peux trouver quelque chose à fumer, oui. Ouais, mais c'est ça que je fais. Très bien, mais sinon, vous faites quoi? Ben moi, je vais attendre que tout le monde dorme. Puis pendant que les gens vont dormir, je vais aller fouiller dans le sac de Gerild. Tout doucement. D'accord. Et les autres, vous envisagez de dormir? Moi, avec l'insistance imposante de tout le monde, je vais aller dormir. Fait que Gwendoline, dès qu'elle se couche, ça prend à peu près 5 minutes, puis elle dort. Puis non, elle parle pas en dormant. Mais elle ronfle. Hey! Oui, Elana, tu as trouvé tes herbes contre le mal de crâne. Bien. J'ai mis tabac, entre guillemets, OK? Au bout d'un moment, donc, il n'y a que Baldo de réveiller. Oui. Et donc, tu commences à fouiller les affaires de Gerild. Mm-hmm. Alors, écoute, le plus simple, vois-tu, c'est que je vais te donner accès à sa fiche. Mm-hmm. Et donc, tu vas pouvoir voir ce qu'il y a dans l'équipement. Comme Dominique dit, pas grand-chose. après une minute ou deux de fouiller dans le sac, Baldo sort triomphalement un savon. Il l'empoche automatiquement dans son sac à lui. Très bien. Au bout d'une petite heure, la cloche cesse de sonner. Baldo, fais quelque chose de particulier? La cloche arrête de sonner. Est-ce que Gwendoline a l'air de dormir paisiblement? Oui, tout le monde dort paisiblement. Et d'ailleurs, Ingfrid, qui elle ne dormait pas vraiment paisiblement, semble maintenant avoir retrouvé un sommeil calme. Ok. Je réveille en premier. Je vais aller réveiller Elena en premier. En faisant une chute de la main. Je fais un signe d'écouter avec mes grandes oreilles qui dardent un peu partout. Et Lana et Baldo, vous commencez à entendre une voix à l'extérieur qui se répercute. In. In. Qu'est-ce que ça dit? Faudrait peut-être ouvrir ou sortir pour mieux entendre. Bon. Je vais ouvrir la fenêtre par laquelle je me suis. Lynn! Gwendoline! Ah! Gwendoline! C'est la voix de Trevor. Ok, je vais aller réveiller Gwendoline dans ce cas-là. Je fais la même chose, je fais. Chut! Oui, je vais être très, très, très silencieux. Promis, je dirai rien, puis je ferai pas de bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'approche de la fenêtre pour que tu l'entendes. Oh, Trevor! Je vais sortir aller rejoindre Trevor. Je vais essayer d'attraper à tant bien que mal le derrière des vêtements de Gwendoline. Mais non, mais c'est correct, la cloche a arrêté de sonner. Et quand je la vois partir, je réveille les deux autres. Mais c'est correct, la cloche a arrêté de sonner. Trevor, t'es où? Eh bien, tu sors et tu le vois effectivement à l'extérieur qui est en train d'appeler Gwendoline. Trevor, je suis ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, vous êtes en bonne santé? Oui. Oui, on s'est barricadé dans la maison quand les villageois sont devenus furieux puis que ça s'est mis à s'attaquer. Ouf, vous êtes endormi au milieu du chemin pendant que vous faisiez de la garde. Oui, c'est pas super, ça? Justement, attendez. Ne parlez pas si vite.
Effectivement, mes hommes et moi, nous venons de nous réveiller au milieu de la place, comme si nous avions été frappés par frappés d'inconscience. Et je ne vous ai plus vu, donc je me suis inquiété. Mais oh, vous êtes inquiété pour moi? Oh, je savais qu'on était amis. Merci, Trevor, vous êtes gentil. Moi, mon groupe avec qui je suis, ils veulent juste que je me taise tout le temps. Ils prennent pas vraiment attention de moi. Sauf Elana est fine avec moi, puis il y a Baldo aussi qui est très fin avec moi. Mais c'est pas important. Alphonse, est-ce qu'il va bien? Puis là, Gwendolyn, elle va partir pour essayer de voir Alphonse. D'accord. Je reviens, Trevor, mais il faut aller voir Alphonse. Et alors que tu es sur le point de partir, vous entendez une espèce de gémissement. Un gémissement de douleur venant d'ici. Peux-tu remonter la direction? J'ai pas vu. Je tiens à préciser que j'ai réveillé les deux combattants, by the way. Christophe? Oui? J'ai pas vu le gémissement, il venait dans quel coin? Tu peux-tu le remontrer, s'il vous plaît? C'est pas ça. Là que la cage à Alphonse est, hein? Pas du tout. OK. Ben, on va faire un crush par là, effectivement. Je suis Elana qui est déjà en chemin vers là. Trevor se dirige aussi. Et vous voyez un homme au sol avec une flèche plantée dans le torse qui est en train de souffrir. Oh non, je m'excuse! Je vais essayer d'aller l'aider. Y'a-tu quelqu'un qui sait faire des soins? Alors Trevor se précipite et puis il regarde l'homme, regarde la flèche. T'entends, Gwendolyn, te regarde bizarrement. C'est vous qui avez fait ça? Mais il m'a attaqué! Je me suis juste défendue! Mais comment il vous a attaqué? Non, mais il nous a chargé! Il avait de l'écume à la bouche, il était comme pu là, je t'avais dit, Trevor, t'es mon ami, faut que tu me comprennes, faut que tu m'écoutes. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a une fille qui s'est fait violer il y a super longtemps, puis elle s'est fait violer dans l'église devant les yeux du prêtre. Fait que là, vous êtes comme maudit depuis ce temps-là. Puis là, depuis ce temps-là, ça fait qu'à toutes les nuits, les gens qui ont commis le viol, ils deviennent comme des villageois, là, comme des zombies méchants qui courent partout. Puis là, à chaque fois, elle revient dans l'église, puis là, elle tue les gens qui sont là. Elle a fait vieillir Gryll. Gryll est rendu super vieille, puis c'est pour ça que les autres qui n'ont pas eu rapport avec l'incident, mais eux, ils s'endorment à toutes les nuits. Du calme. Mais je suis très calme. Puis vous entendez un autre, autre gémissement venant de par là. Oups, c'est probablement celui que j'ai tiré dans l'œil, ça. Mais j'ai pas fait exprès, il nous chargeait. C'était pas volontaire. Moi, je pensais que la flèche allait disparaître. Les autres, ils se relèvent. Ils sont jamais morts. Et puis, vous voyez passer un villageois. Là, il a le vêtement au niveau du torse qui est déchiré. Il est un petit peu hagard, tu vois. Et puis, il avance sans vraiment trop vous regarder. Oh non, il est peut-être encore un zombie. Il fait vraiment pas attention à vous, il a l'air d'être tout pâteau et pour aller rentrer dans une maison un peu plus loin. Celui-là, c'était pas moi. S'il n'y avait pas de flèche sur lui, c'était pas moi. C'était peut-être le mien. Pour l'instant, toi, tu es dans la cabane, mon cher. Ah, il m'avait pas réveillé. Ouais, mais c'est ça. Mais vous avez pas sorti vos pions. Faut bouger les pions. Je sais pas, moi, quel pion. Ah, mais moi, je le bouge sur la pas, map, sur Rock 20. Moi, Trevor, ça, je m'en calisse, lui. Moi, c'est Gryll qui m'intéresse, là. Alors, Gryll, elle est complètement inconsciente. Ah, je sais bien, mais... Moi, Trevor, là, c'est un trou de cul pour moi. Je ne deal pas avec Trevor. Qu'est-ce que tu gèles dessus? Non, c'est mon ami! On parle entre hommes, là. T'es même pas là. Voilà, vous... Donc on va faire d'un côté, ok, Clyde et Xavier, je vous écoute. Vous faites quoi, Clyde et Xavier? Tu viens dessus, Clyde? Non, je t'avoue que non. J'aime mieux rester auprès de Gryll. Je vais attendre qu'Ingrid se réveille et je lui expliquerai la situation en espérant qu'elle puisse faire quelque chose. Trevor, c'est un pauvre con qui ne peut rien faire et n'y comprend rien. Et de toute façon, il s'endort à toutes les nuits. Que veux-tu qu'il fasse? Clyde, ça fait plus longtemps que moi que t'es en ville. Combien y a de personnes en ville? Oh,
Cinquantaine, une centaine au mieux. Centaine. Sont-ils facilement manipulables? Que veux-tu dire? S'il manque quelqu'un à la tête, il y a quelqu'un d'autre à la place, est-ce qu'ils vont suivre? Disons que leur milice fait pitié. Juste à moi et toi, je pense qu'on pourrait prendre ce village de force. Garde ça en tête. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec Trevor. Vas-y. Pense à ce que je t'ai dit. Qui est... Je vais voir Trevor. Ok. Donc pendant ce temps, Trevor, Elana, Gwendoline et Baldo, vous êtes devant cet homme qui a une flèche plantée dans le torse. Et donc là, Trevor se bat. Allez, Ringfried, demandez-lui de venir vite. Il est... Oh oui, c'est une bonne idée, ça. Gwendoline, elle va partir en courir pour aller réveiller Ringfried. Tu croises Xavier au passage. Qu'est-ce qui se passe, Gwen? Il faut réveiller Ringfried pour qu'elle soit à soigne les gens que j'ai tirés parce que je veux pas vraiment les tuer, fait qu'elle peut peut-être les guérir, fait qu'il faut réveiller Ringfried, c'est super important, puis peut-être aussi qu'elle peut aider Guéril. Le tout en courant, bien évidemment. Ah! Ok. Très bien. Gwendoline, tu arrives en courant dans la maison d'Ingfried. Que fais-tu? Je la suis. Je vais me lancer à côté d'Ingfried, puis je vais la brasser en disant « Ingfried, Ingfried, faut que tu te réveilles, Ingfried, Ingfried! » Elle se réveille presque immédiatement. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des blessés, j'ai tiré sur des gens, mais il faut que tu viennes parce qu'ils sont mal en point, je les ai comme bien visés. Mais c'est pendant qu'ils étaient zombies, mais bref, c'est pas important. Il faut que tu viennes pour les guérir. Puis il y a aussi Guéril qui est devenu vieille. Fait que peut-être que si t'avais quelque chose comme ça pour l'aider. Elle a été touchée par un spectre, fait qu'elle est devenue super vieille, mais ça, c'est pas grave, elle peut rester vieille un peu plus longtemps. Mais il y a un homme avec une flèche dans le corps, puis il y a un autre avec une flèche dans l'œil, puis il faut que tu les sauves. Parce que sinon, ils vont peut-être mourir parce que j'ai trop bien tiré. J'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, mais il faut que tu viennes pour les aider. C'est Trevor qui veut te voir. Ok. Bon, écoute, je comprends pas tout ce que tu m'expliques, mais. Ok, donc il y a des gens blessés qui requièrent mon attention. Oui. Donc elle commence, elle prend une espèce de sacoche, elle commence à prendre diverses choses, mais. Mais Clyde, oui. Tu es là et mais qui a touché à mes affaires ici? Personne. C'est pas moi. Elle vous regarde de manière suspicieuse. Non, j'ai pas touché à tes affaires. Moi, je dormais. Puis Baldo. Elle prend quelques onguents et. Je vais juste dire Baldo à haute voix. Et puis elle sort rapidement. Avise l'endroit où se trouvent Trevor et vos compagnons et s'y précipite pour soigner le pauvre villageois qui a été agressé par une flèche.